pays a c'est haïtien pour développer parce que problème pays a rien c'est pas personne qui va venir régler problème pour nous c'est nous mêmes qui pour connait faut mettre tête nous ensemble pour travailler pour nous suspendre hingang là suspendre goumen on a clôt là m'venir site là parce que c'est yon d'un côté l'homme te commencé travail dans affaire poule moi j'ai eu l'idée pour me créer une association c'était APAGNO association des producteurs agricoles du Grand Nord et l'idée a été venue moi j'ai vu tout le monde te venir collaborer avec moi satisfaction pas aujourd'hui là la mon chantier ça veut dire zone ça c'était un côté nous qu'on produit environ 15 000 poules aujourd'hui il y a un projet qui dérape là pour que nous parlions 15 en gars yo chaque parle pour 15 000 pondeuses. Ça veut dire lundi 15 fois 15 à comprendre bon ici là qui quantité pondeuses qui parle fait qui quantité œufs qui parle fait par jour et devant une capacité 21 000 poulets de chair à part nous toujours dit parce que m'a parlé avec monsieur pas la président monsieur dit une capacité chaque 45 jours qu'a fait 400 000 poulets de chair et il a monté système pour arriver dans plus de millions de frais chaque jour. Ça veut dire là que on zone on prise de conscience entre citoyens on prise de conscience entre entrepreneurs qui dans même domaine parce que faut pas oublier domaine avicole là son domaine spécial parce que pour là son bagage faut connait pour entrer là-dedans. Jodi monsieur dame ça on met tête ensemble. Moi quitté, me songe une petite association en 2015 le candidat à 90 000 poulets de capacité, je dis à 400 000. Ça veut dire 2015 à 2017, dans moins que 3 ans, yo multiplié par 4. Justement pour me dire nous que là problème manger a son gros problème pays a rien, mais solution problème là c'est dans les haïtiens. Solution problème là c'est production. Produit poule, produit œufs. Nous-mêmes, au plus haut niveau de l'État, c'est ça nous pour prendre charge nous pour que le secteur ça joue un crédit. Moi, je dis, le secteur ça pour jouer l'argent, nous-mêmes qui dans tout côté nous et nous serrer, qui dans la majorité silencieuse. Comment se mettre tête nous dehors, qui vont poulailler, qui vont côté nous faire œufs, comment se mettre tête nous dehors pour télévision, ouais nous, moment, temps, nous te compte caché, attends, ça a fini. Je dis à ces gens qui ne peuvent pas parler, c'est le moment pour nous écrire. C'est pour nous mettre tête nous dehors pour nous parler parole développement parole changement parole que pays attend c'est pour parole qui pour le mettre haïtien en face haïtien son parole qui pour te manger dans assiette peuple là son parole qui pour porter l'argent dans poche peuple là pour manger à l'assiette peuple là pour l'argent dans poche c'est travail pour nous travailler c'est pas dans question pour tendre pour venir porter l'argent baou. C'est travail pour travail. Mais mes travail là, c'est dans mode organisation ça yo. Même j'entends pour APAGNO qui te gagne 90 000 poulets aujourd'hui a une capacité 400 000. Moi dis moun nan sud, moun nan la Tibonite, moun nan centre, moun nan grand est, moun nan sud-est, moun nan l'ouest, moun nan nord-ouest, k'ap tande m k'ap gade m là. Nous là, nous nan nord-est, mais pas oublier APAGNO c'est association pour des producteurs du Grand Nord. Li Grand Nord, nord-ouest, nord-est. M'a dit que l'on président déplacé les vins non côté sont signal que le vol et si elle l'ajoute à clair l'état apparaît pour mettre pour faire crédit à vino réalité dans secteur ça secteur avicole là son secteur qui abandonné son secteur qui pas gain crédit depuis en pile temps d'ailleurs même gadil depuis développement poule axe fait dans pays système financier haïtien pas capable bal crédit parce que pour qui ça c'est parce que son secteur a risque. Jodi a l'état prend charge. Parmi conditions. L'état prend charge pour que gain crédit dans secteur agricole là, gain crédit dans poule ak œufs qu'on y a. Mettre quoi nous dehors, faire au compte côté nous pour que l'état vienne mettre l'argent qui permette nous même pour commander prendre nous travail. Merci. Ding dong, l'heure a sonné.
Je voulais pas me réveiller, non, je ne voulais pas. C'était trop beau, ce méli-mélo, ce tchaka. Il n'y avait pas d'Afrique, d'Europe, Asie ou Amérique. C'était du vrai, non, c'était pas de la politique. Des accords, des ententes, des échanges et des partages. C'était comme un village, des discours, des idées, des arrêts et des contrats. C'était la boula, des cris de joie. Triomphe de sincérité, ding ding dong. Elle c'est ding ding dong. Je suis ici en qualité de directeur pays de l'ONU-SIDA. Et je vais vous donner lecture du message que le directeur exécutif de l'ONU-SIDA, M. Michel Sidibé, a bien voulu adresser au monde entier. Il est de coutume que dans chaque pays, que le directeur délivre ce message d'espoir, qui est un message pour encourager non seulement les efforts qui sont faits, mais également donner les perspectives à venir. Et je lis ce message. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, nous mettons en lumière l'importance du droit à la santé et les défis auxquels sont confrontées les personnes séropositives en réclamant ce droit. Le droit à la santé fait partie des droits fondamentaux des droits de l'homme. Chacun a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale, comme a énoncé dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. Le monde n'atteindra pas les objectifs de développement durable et notamment l'objectif de mettre fin à l'épidémie du sida d'ici 2030 si les personnes vivant, si les personnes ne parviennent pas à obtenir le droit à la santé. Le droit à la santé est corrélé à un large éventail d'autres droits, notamment le droit à l'assainissement, à la nourriture, à un logement décent, à des conditions de travail saines et à un environnement propre. Le droit à la santé possède un large éventail de significations. Il signifie qu'aucune personne ne dispose d'un droit supérieur à une autre en termes de droit à la santé. Qu'il existe une infrastructure de soins de santé adéquate, que les services de soins de santé sont respectueux et non discriminatoires, que les soins de santé doivent être médicalement appropriés et de bonne qualité. Mais le droit à la santé est plus important que cela. En parvenant à obtenir le droit à la santé, les rêves pourront être réalisés et les promesses tenues. Deux, trois mots forts. Nathan. Journée mondiale SIDA, 1er décembre 2017. Là. Trois concepts. La vie, la santé et le droit. Pour moi-même, ce qui est important dans le concept, ça, c'est santé. M'a témoigné, je dis, après un pile temps de lutte, de discrimination subie en dans la société, ça, je dis, m'a en face toute assistance, ça, de par formation, moi, dans la communauté, m'a côté passé, pour me dire, son monde qui vit avec la maladie sida. Discrimination dans la famille. Mais il y a des grands piles support des gens dans la famille. Si officieusement, je dis depuis 1995, mais officiellement, je connais que je suis infecté de VIH sida en 2006.
bagay la pas facile. Si m'a témoigné jodi an, m'pa k'ap di l'état haïtien pa fè an pil efòt. Lèm di l'état haïtien, moi ministère santé via ministère santé publique. Chapeau bas pour nous. Malgré grand pile bagay ki gen pou fèt encore. Si m'ap témoigné jodi an, de deux institutions m pa ka pase de yo. Zanmi la santé. Ayi bo bo bo. La FEBS psychologiquement qui permet que jodi an m ka kampe la. De par formation, tout parcours côté m passé, konnen m ka aide moun. Pour pas prendre maladie sida ou bien moun qui vivent avec j'ai maladie sida, continuer à vivre avec j'ai maladie sida de façon positive. Nous disons merci. Nous avons parlé de médicaments. Nous avons entendu le représentant de l'ONU sida dans l'allocution des circonstances qui t'a parlé de objectif 2030. Mais on connaît. Nous avons besoin de bataille en pile pour que y ait plus d'intégration moun ka vive avec j'aime maladie sida dans la lutte. À côté du ministère de la Santé publique, à côté de l'organisation qui a bataille pour permettre que moins soient infectés de VIH-Sida. Rien de tout cela ne pourrait se faire sans nos partenariats. Le PEPFAR compte sur un large éventail de partenaires, y compris le Fonds mondial de lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose, et son principal bénéficiaire, PSI OMAS, pour aider à contrôler le VIH en Haïti. Nous travaillons également en partenariat avec des organisations multilatérales et plusieurs organisations non gouvernementales, locales et internationales qui sont essentielles dans cette lutte. Beaucoup d'entre vous sont ici aujourd'hui et je vous remercie de votre collaboration. Et plus important encore, c'est notre partenariat avec le gouvernement haïtien, y compris le ministre de la Santé publique et de la Population, et le Programme national de lutte contre le sida. PNLS. Je tiens à féliciter le ministre de la Santé publique et de la Population pour son leadership dans cette lutte et j'encourage le gouvernement haïtien à renforcer son engagement à financer la réponse au VIH-Sida et le secteur de la santé en général. La santé globale et une population en bonne santé sont la clé du développement et de la stabilité d'Haïti. Le gouvernement haïtien doit assumer sa responsabilité en augmentant les fonds destinés au secteur de la santé. L'augmentation de financement national est essentielle pour assurer la viabilité de tous nos investissements et réalisations communes. Permettez-moi de conclure en félicitant Haïti et le peuple haïtien à l'occasion de cette journée mondiale de la lutte contre le sida. Je remercie le gouvernement haïtien pour son leadership, les partenaires pour leur soutien indéfectible et les dirigeants de communautés, les activistes et les fournisseurs pour leur dévouement. Nous sommes tous ensemble. Renouvelons notre engagement dans cette lutte alors que nous avançons vers l'éradication du VIH-Sida. And remember, une fois de plus, what was once thought impossible is now possible. Plus que jamais, la lutte contre le sida doit être intensifiée avec emphase sur l'objectif zéro. Néanmoins, il est évident que l'atteinte de cet objectif ne sera possible sans l'accès universel à la prévention
au traitement et au soutien, mais surtout sans un travail de sensibilisation et d'éducation à la citoyenneté responsable, axée surtout chez les jeunes. Jeunesse de mon pays, de même que vous êtes au cœur de la pandémie mondiale, vous êtes aussi notre plus grand espoir pour lutter contre cette terrible maladie. Vous avez reçu un terrible héritage qui vous détruit, qui nous détruit, nos amis, nos frères et sœurs, nos parents, nos maîtres et aussi nos modèles. Ils sont environ 11,8 millions entre 15 et 24 ans à vivre avec le VIH-SIDA. Chaque jour, près de 6 000 jeunes de 15 à 24 ans contractent le VIH. Mais seulement un petit nombre d'entre eux savent qu'ils sont infectés. C'est pourquoi, au niveau du ministère à la Jeunesse, des Sports et Actions Civiques, nous sommes convaincus que c'est en accordant une priorité spéciale aux jeunes que l'on parviendra à influer sur le cours de l'épidémie. Le changement des comportements et des attentes à un jeune âge permettra d'obtenir des avantages pendant toute une vie, à la fois pour prévenir le VIH et atténuer la stigmatisation qui lui est associée. Le défi consiste à promouvoir, en collaboration avec, bien entendu, le ministère à la Santé publique et toute autre institution travaillant en la matière, des programmes efficaces qui encouragent les jeunes à faire face au VIH-SIDA de toutes les manières possibles. Nous entendons, à notre manière, apporter une réponse proportionnelle à la pandémie en conjuguant sensibilisation, formation, prévention, lutte contre les violences et les discriminations chez les jeunes qui constituent la frange majoritaire de la population haïtienne. Je m'engage à ce que les divers programmes et ou projets développés dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale s'accordent avec le plan national de lutte contre le sida. Il faut aussi parler, mesdames et messieurs, de la prévention. Et la prévention, c'est aussi le dépistage. Et voulant parler de cette activité, un peu, de cette activité qui se donne dans l'autre salle ici, sous le haut patronage de la Première Dame, il faut dire que quoique le dépistage ait beaucoup progressé dans notre pays, certaines personnes n'y ont toujours pas accès. C'est pourquoi nous devons élargir la proposition de tests de dépistage pour que chaque fois qu'un patient a un contact avec le système de santé, le test lui soit proposé, en particulier dans les régions très exposées. Il faudrait, à notre avis, trouver des solutions départementales et communautaires pour améliorer communautaires, puis que les activités, les opérations communautaires puissent se multiplier en lien et avec les réseaux de soins, afin que le personnel de santé formé à cet effet aille à la rencontre des populations qui fréquentent peu l'hôpital. La lutte contre les discriminations, c'est aussi permettre aux personnes présentant un risque aggravé de santé, dont font partie les PVVIH et les populations clés, d'accéder aux différents services sans peur ni crainte, ce qui nous porte une nouvelle fois à parler de droit à la santé pour tous. Nous continuons donc à gagner des batailles, mais la guerre, car pour vaincre complètement ce virus, excusez-moi, nous continuons à gagner des batailles, mais pas la guerre, car pour vaincre complètement ce virus, il nous faut faire preuve d'imagination et de créativité en nous tenant prêts à intervenir sur les 27 750 km² de notre territoire sur la base des caractéristiques de chacun de nos départements. Le dépistage suivi du traitement est une stratégie nouvelle adoptée par Haïti depuis août 2016. Elle nous a permis d'enrôler plus de 90 000 patients que nous devons garder sous traitement. Mais nous devons aussi faire face à un taux de rétention inférieur aux normes. Cette situation doit nous porter à être plus vigilants et assurer un suivi de proximité des patients pour une meilleure adhérence au traitement. Renforcer l'observance et la rétention des personnes sous traitement reste un impératif face à l'avenir.
Nous avons encore des défis de taille, comme par exemple la multisectorialité et la diminution des ressources financières, particulièrement pour la prévention primaire, de sorte que nous devons identifier de nouvelles approches centrées sur l'individu et les communautés. Nous sommes arrivés à un carrefour menant à différents chemins et nous avons intérêt à faire le bon choix. Nous le ferons de manière concertée avec tous les acteurs impliqués dans la lutte, surtout les PVVIH, ainsi que leurs proches qui souffrent dans leur chair et dans leur sang des dégâts causés par la maladie. Nous sommes conscients de l'ampleur de la tâche à accomplir, car lutter contre le sida, c'est aussi se battre contre la pauvreté et ses corollaires. Ce qui est certain, c'est qu'avec des années d'expertise, une gestion participative, un engagement fort et multisectoriel, nous continuerons à faire la différence. Je veux profiter de cet espace et de cette journée spéciale pour saluer le courage et la détermination des PVVIH toujours présents pour défendre leurs droits en toute légitimité, les gouvernements des pays amis. Ces remerciements s'étendent également aux agences des Nations Unies toujours prêtes à nos côtés, toujours présentes à nos côtés, aux partenaires, membres de nos réseaux de soins, aux différents prestataires et à tous ceux qui ont contribué à faire de cette lutte haïtienne un pas dans la bonne direction. La lutte continue. Soyons donc prêts à relever les nombreux autres défis qui vont se dresser sur notre chemin. Merci finalement à Madame Martine Moïse qui ne manquera pas de délaisser ses multiples occupations familiales, mais aussi celles liées à sa fonction de première dame et de présidente du CCM pour répondre aux cris de désespoir venant des multiples victimes du VIH-SIDA. L'heure est donc à l'action afin de voir ce que nous pouvons faire et surtout comment nous pouvons le faire ensemble. En cette journée mondiale de lutte contre le sida, je me fais la porte-parole de ces milliers de personnes testées positives au VIH qui vivent dans la peur de ne pas pouvoir accéder aux soins que requiert leur statut sérologique. Je veux leur dire qu'elles peuvent compter sur ma ferme volonté d'accompagner le MSPP et tous les autres acteurs engagés dans ce vaste combat pour stopper la chaîne de transmission de l'épidémie du VIH. La mort d'un homme est la mort de tout homme. L'heure est à l'action pour intensifier les réponses face aux méfaits du VIH qui continue à s'attaquer aux forces productives du pays, retardant chaque jour davantage notre capacité à faire reculer les frontières de la pauvreté et de l'ignorance sur ce sol de nos ancêtres. Dans cette bataille de tous les instants, où chaque seconde compte, mes interventions auprès du président de la République, Son Excellence M. Jovenel Moïse, sont permanentes et partout où une tribune m'est offerte pour faire le plaidoyer sur le dépistage systématique et l'aspect au traitement, je répondrai présente. La famille est le meilleur rempart contre la propagation du virus du sida, à condition qu'elle renoue avec les valeurs morales traditionnelles, qu'elle joue pleinement son rôle. Il nous faut des familles cultivant l'amour et le support en leur sein, mais aussi des familles engagées dans la protection de leurs enfants. Il nous faut des hommes et des femmes qui sont prêts à sensibiliser leurs enfants sur les facteurs de risque liés au VIH-SIDA. Il nous faut des hommes et des femmes responsables qui font le choix d'être pour leur progéniture des modèles de vie et de moralité.
C'est ainsi que nous arriverons à baisser le taux de transmission mère-enfant, à contrôler les naissances, à renforcer la famille, base sur laquelle nous devons construire une société plus équilibrée et plus juste. En 2017 et pour les jours à venir, vous pourrez compter sur mon engagement à vos côtés. Je serai toujours à votre écoute, mais j'ai aussi besoin de la participation de tous. En nous mobilisant sans réserve, en nous appropriant les initiatives internationales, tout en leur donnant une touche locale, nous pouvons nous doter de voies et moyens pour lutter contre le VIH-SIDA. En adoptant un comportement franc, ouvert et responsable, nous pourrons atteindre le maximum de personnes à risque, leur facilitant l'accès à la prévention et au traitement. Avoir le sens de la responsabilité ne doit pas être hors de la portée du plus humble de nos concitoyens et concitoyennes. Et c'est ce souhait que je fais à leur intention à quelques jours des fêtes de fin d'année. Un pays sans sida est possible. Si et seulement si, chacun d'entre nous accepte de mettre la main à la pâte, de participer à la lutte. Face aux nombreux enjeux et défis du moment, engageons-nous à faire du dépistage. Engageons-nous à nous faire dépister, à nous respecter mutuellement, à être solidaires et responsables, afin que nos prochaines générations naissent et vivent sans le virus du sida. Jour 1er décembre, important en pile pour tout peuple sous la terre. C'est un jour mémoire. C'est un jour tout pour nous montrer solidarité avec les gens qui trappent maladie sida. Mais ce n'est pas le jour 1er décembre seulement pour nous songer que le sida existait. C'est chaque jour que je vais dire ça sous tête. Il faut être vigilant. Et c'est parce que nous faisons tout reste 364 jours, nous faisons silence que le sida a école plus. Tout le monde doit faire test au moins une fois dans l'année. Si tout jeune et femme enceinte. Une manière pour continuer à protéger la tête si la tête est négative. Si le test positif, tout, moi, je veux nous connaître que la vie n'est pas finie. Il y a un pile d'institutions qui est spécialisée dans la bataille contre la maladie sida, qui a besoin de bons médicaments pour empêcher les maladies à développer dans le corps. Les institutions ont tout bon support psychologique pour aider nous. Nous-mêmes qui trappons j'aime sida, faire face à mépris société. Femmes enceintes, yo, gen moyen kou liye pour nous protéger ti moun qui nan vot nous, si nous prenons bonnet, si nous fait test nous. Comme ça, depuis maman al fait test li bonnet, li pa bay ti bébé qui nan vot liye maladie. Faut que nous tout mette main pour une société sans sida. Li possible et c'est devant nous toutes. On engage nous pour nous couper maladie sida. Ensemble, pas de chance, nous pas contre. Qui na l'école pour pension juste pour, parce que ça mon ça c'est si c'est eux même qui vraiment besoin sensibiliser sur VIH là pour yo connaît qui va qui correct et qui va qui mit juste pour yo prendre décision qui bonne dans la vie. OK,
On parle des décisions que vous êtes capable de prendre à la vie, mais nous sommes encore très jeunes. Mais pour que ça fasse, nous choisissons l'école. Et nous, c'est environ une dizaine d'écoles que nous choisissons. Sous quels critères? Oui, nous choisissons l'école qui est dans le réseau digital là. Et puis tout qui n'est pas trop loin de côté de nous, aujourd'hui. Et tout, nous ciblons tout le monde qui a 15 à 18 ans. Juste parce que c'est l'âge ça que nous avons commencé à poser des questions. Ça a arrivé quand ils ont entré dans un rapport sexuel. Donc c'est pour ça que c'est important pour qu'ils connaissent tout le VIH, la maladie transmissible sexuellement. Et puis juste pour prendre une bonne décision. Yo. Est-ce que nous comptons faire une formation pour les élèves pour être capable de transmettre le message à l'autre élève pareil? Ou du moins, c'est tout simplement. C'est façon ça nous voulons célébrer le jour. Non, c'est vraiment pour vous apprendre, mais tout comme ambassadeur pour transmettre message messages comme radio dans l'école. Et tout. Eh bien, vous connaissez la Fondation Digicel, nous travaillons en plus l'éducation. Nous avons construit 172 écoles à travers le pays et puis nous faisons formation pour enseignants avec directeurs. Mais il y a à peu près 2 ans, nous avons fait association avec Caris Foundation parce que nous voulons introduire un aspect de l'éducation sexuelle dans l'école. Parce que bon, nous trouvons que c'est un thème qui est très important et que c'est un thème qui est très tabou à travers Haïti. Peut-être que si nous n'avons pas parlé avec les parents sur ce sujet, ça, nous devons créer ouverture ça et formation. Ça. So, c'est dans le contexte ça. Que nous décider et organiser une journée ça. So, déjà nous créons une association, mais pour une journée ça, qui c'est une journée mondiale et pour contre la lutte du sida, nous devons organiser ça, inviter Simone Vina, passer dans la télévision, passer sur Facebook, que l'autre Simone qui a joué une formation sur VIH, sur sida et sur l'autre sujet qui autour même thème là. Que nous pas M. Salve Maxo, moi soutenant institution scolaire Mispan. Bon pour gens, moi comprendre activité à moi c'est une bonne activité parce que moi j'ai besoin qu'on ait plus de VIH ça. Moi bien content de ce que moi entendre plus de moi entendre plus des questions posées, des réponses sur bail. Là moi pour aller bola ca moi pour moi penser moi pour aller parler avec quelques jeunes pareil moi de VIH qui pas gain chance suivre activité ça. Ou satisfait des journées? Oui très satisfait. Ou tirer en pile leçon? Oui. Mais à part des jeunes bola kayo et dans l'école, comment on va le compter faire sensibilisation ça? Bon, moi compter faire ça à chaque grand élève qui dans l'école là et plus en même temps puis tout le monde qui dans l'école yo. D'accord, merci. Merci. Est-ce que vous êtes satisfait? Comment ça t'est? Donc, nous sommes M. Paul Eldia. Moi, je suis dans l'institution mixte de scolaire Mispan. Donc, je dis, moi, je suis très content et très fier pour me déplacer, sortir la caille, pour me venir participer à la grande journée mondiale, ça, qui est sous VIH avec SIDA. Moi, je suis vraiment content. Donc, je suis venu à la caille, je vais parler ensemble avec les jeunes. Pour me dire mais comment pour vous comporter et de même les m'rive dans classe dans salle de classe moyen et dans toute l'école là moi pas l'expliquer avec élèves yo mais comment yo doit comporter yo mais qui façon yo doit gagner qui attitude yo doit gagner pour vous comporter yo juste pour vous capable combattre VIH virus VIH là et sida. C'est que nous dit si tu es mari nous, si tu es maman nous, si tu es papa nous,
si tu as tué frère avec soeur nous, si tu n'as pas tué nous encore, si tu as rendu nous orphelins, cela la chose c'est vrai, tu as transpiré, nous fatigués, nous pas dormi, mais nous prenons béton. Parce que nous disons si tu n'as pas passé, je nous dis, hein, la vie nous, c'est santé nous. Santé nous, c'est droit nous, nous avons droit pour notre santé. Même je radio télé qui nous fait sacrifice pour informer, pour former la population. Nous-mêmes, tout, nous disons nous marchons des incidents. Nous sommes pas belles. Par contre, si tu as pris le gagon, mais par contre, si tu as la collecte, par contre, si tu as pris le gagon, mais cette fois-ci, pas passé. Nous ne pas prendre, nous ne pas bailler. Nous disons si dans bien fait trop, nous disons si dans boumé trop, cette fois-ci, nous gagnons la bataille. Bagaille a dit, monsieur, cela est la chose. Nous voulons l'aime, t'as tombé, bien ici, on peut prendre devant. Devant l'être. Nous marchons sous cela. Marie, nous ne pas mourir encore. Petite, nous ne pouvons pas mourir encore. Chérie, nous ne pouvons pas mourir encore. Vous avez dit, Zenio, qui a contaminé avec Zen et VIH dans son yon, pour nous montrer que nous avons combattu Sida. Pour nous dire que ça, nous ne pouvons pas bailler et nous ne pouvons pas prendre pour nous protéger tête nous. Et nous avons conseillé Zenio pour nous faire un message passé pendant que nous avons parlé là, en tant que nous avons important journée. Nous avons dit, Zenio, comme ça, il faut que nous protéger tête nous. Et mettre capote et puis tout. Et nous conseillons pour mettre capote et puis tout plus faire abstinence. Plus faire abstinence à PDO pour combattre contre le VIH. Nous marchons dans la rue, c'est juste pour nous combattre avec SIDA, qui c'est une maladie, depuis nous prenons nos papes qui traiter. Donc, nous supposons mettre capote ou bien faire abstinence pour ne pas prendre la maladie. Ça. Même si tout le jeune barre est là, nous sommes là aujourd'hui, c'est juste pour nous combattre ensemble avec SIDA. Qui donc, ou même qui va appeler prendre SIDA, ou même qui veut protéger la tête ou bien protéger la tête ménage, ou bien, juste mettre capote. Même faire on connaît pour protéger la tête. Sida, si que yo pa ka protéger tête yo sida et pour faire abstinence ou bien pour mettre capote. Jeune pa yo, so wè ou ka di. Bon, moi ka di jeune pa yo comme moi même comme yo élève de institution Mick Jean-Marie César, m'a dit jeune pa yo si que nous pa ka mettre capote pour nous faire pour nous capable sida et pour nous faire abstinence. Tant que jeune pa yo m'a dit comme ça, si que yo pa si yo pa veut mettre capote, si yo pa faire abstinence, plutôt autre que ça va jamais faire même. Moi là aujourd'hui pour m'aider tout monde jeune qui dans la rue aujourd'hui pour te protéger tête comme non sida moi t'a remédi tout monde qui là jeune fille qui là pour protéger tête parce que ça pas cher li gratis passe dans tout l'hôpital ou je ni pour protéger tête le jeune fille le jeune garçon condition pour ramasser tête non mais de la constitution. Merci. Conférence de presse dans la mairie de Delma, nous ne voulons pas coïncider la veille, donc nous faisons ça pendant, je vous dis, à 1er décembre. Donc, nous connaissons handicapés, tu vois, ce sont des gens que nous n'avons pas tellement considérés. Nous voulons, à partir de, je vous dis encore, une fois encore, pour nous prononcer, pour nous dire ça, mon handicapé, oui. Ce sont des gens, même j'avais qui font un paquet de bagailles. Malheureusement, pour une raison ou pour une autre, soit par maladie, soit par accident, soit au moment où elle était faite, bon, bah, qui fait fonction, elle manque en fonction. Mais ça ne veut pas dire que les gens n'ont pas qu'à faire rien. Au contraire, nous avons des handicapés qui font des bagailles qui sont plus terribles
que nous-mêmes qui avons toute fonction. Nous. Et nous avons plusieurs exemples. Nous avons des aveugles, c'est rentrer dans le handicap, nous avons des gens qui sont soumis à rentrer dans le handicap. Et nous avons vu ce qui s'est passé dernièrement, en 2010, après le tremblement de terre. Là. Combien de monde qui ont subi traumatisme, perdu jambio, yo obligé couper jambio. Moun sa yo gen perdu une jambe, gen perdu deux jambes, gen perdu bras yo. Est-ce que pour autant moun sa yo se pa ka fanyen? Non. Moun sa yo ka rend service à communauté ya. Ça seulement ça yo besoin encadrement. Qui encadrement yo besoin? Yo en besoin encadrement des spécialistes qui dans organisation rele clinique de réhabilitation. Ou ka réhabiliter moun sa, ou ka réintégrer yo dans la société. Prends par exemple un monde qui font stroke. Par exemple, son équipe de travail, la calé, c'est le père de famille. Là. C'est le bail manger, c'est le qui travaille. C'est un seul pour le lever comme ça, le font stroke. Accident cérébro-vasculaire. Pas, moun n'a pas qu'à travailler encore. Ça crive. Au point de vue individuel, moun nan vin senti, il est capable. Famille, il te compte soignant. Il n'y a pas qu'à porter saleté contre côté dans le cas là. Et troisièmement, s'il travaille dans le bureau de l'État, il n'est obligé pas qu'à travailler encore. Pour qui ça? Parce que c'est comme ça qu'on considère l'autre fois. Mais c'est, ça va arrêter encore. Actuellement, le monde qui font stroke, s'il a un centre de réhabilitation, il peut réhabiliter, il peut retourner, remarcher encore, il peut retourner au travail là. Il n'y a pas un problème pour ni famille ni société. Même si nous après tremblement de terre, il y a des gens qui perdu deux jambes. Est-ce que par le fait que les gens ont perdu une jambe, un bras, deux jambes, les gens ont fait un coin? Non, ça n'a pas existé pièce. Les gens ont venu, depuis qu'ils ont un encadrement, ils ont un environnement, leur centre de réhabilitation, tant qu'ici, ici, il y a Healing Hands. Il y a l'autre en plus l'autre centre encore qui existe à travers le pays. Nous avons mis le système d'environnement, nos cliniques, nous réhabilitons, nous avons une prothèse, nous avons une jambe ou un bras qui permettent de remarcher encore et puis qu'elle refonctionne, gens de fonctionner avant. Donc, c'est ça qui fait nous réhabilitation, nous réintégrer mon encore. Donc, à l'occasion de la journée mondiale internationale du handicap, nous voulons faire tout le monde comprendre, nous, le monde qui est handicapé, il n'est pas fini, ce n'est pas vrai. C'était pas une conception longtemps. Mais actuellement, on peut réintégrer le monde, on peut réadapter, on peut réentrer dans la société encore. Alors, je suis Pascal Kodjo, je suis de nationalité togolaise. C'est pour, effectivement pourquoi je ne parle pas vraiment créole. Mais je voudrais seulement remercier les accompagnateurs des patients. Ceux qui accompagnent les patients pour s'asseoir avec les patients ici toute la journée pour recevoir des soins, vraiment je vous dis bravo. Parce que vous avez quand même la patience nécessaire pour être avec nous tous. Alors, Dr. Lévesque a déjà dit tout ce que j'ai à dire. Donc moi, simplement, suivons son conseil pour arriver à bon port. Parce que depuis 2010, que nous avons commencé ensemble à essayer de perfectionner, de se rappeler réellement les gens qui ont reçu un handicap. Et chaque année qui passe, nous faisons un pas en plus. Et avec vous. Moi-même, je suis victime de janvier. Côté moi-même, je vis avec 5 personnes dans la caille, tout le monde est seulement sauvé. Moi, je viens d'arriver sauvé, je me perds, mais. Et yon main droite avec yon pied droite. Mais ma vie, la vie continue. C'est ça fait moi-même passer aujourd'hui pour me parler un peu, même si je suis timide, mais je ne vais pas comprendre moi. Côté de ma vie, nous sommes le 12 janvier, nous sommes 50 ans, nous sommes perdus de chum, nous perdus de ménagement, nous perdus de cousine avec yon bébé. Après ça, je suis venu là, comme ça, on a lutté, je suis passé plusieurs temps à l'hôpital, tout ça. Et puis, quand on est arrivé, auparavant, on était sur chaise roulante parce que puis ça a été paralysé malgré que j'ai perdu une bombe. Et puis, quand on a commencé à marcher, puis de temps en temps. Mais on connaît moi-même qui ça me voulait faire nous comprendre, les gens qui sont handicapés, les gens qui ont coûté mieux. Moi-même, certes, j'ai une opportunité
au moins qu'il doit pas marcher, qu'un sac pas qu'à marcher, qu'un sac pas qu'à faire rien. Mais nous même qui là, ça cap coûte mieux tout, nous t'as surtout pas découragé. Alors moi c'est une victime tremblement de terre de janvier 2010. J'étais victime là quand même, j'ai perdu frame. Même pas d'imaginer que j'ai fait tout le temps ça sur un fauteuil roulant. Mais malgré tout, j'ai essayé de surmonter ça, j'ai continué l'école. L'année ça m'a terminé, j'ai pris aller à l'université. Alors, j'ai encouragé tout le monde qui a un handicap quelconque pour connaître que la vie n'est pas finie, pour continuer à poursuivre rêve. Parce que moi-même, je dois décider pour me dire que je ne peux pas continuer. Mais malgré tout, j'ai fait tout ce qui est possible pour me garder le sourire, moi, pour m'essayer d'encourager l'autre monde qui est dans le besoin, l'autre monde qui est pipiti toujours. Je pense que ça a aidé en pile monde. Alors, tout le monde qui est handicapé, je vais encourager nous, puis nous décourager. Parce que ce n'est pas ça que nous souhaitons, certes, mais ce n'est toujours pas la fin du monde, ni la fin du monde. Alors, je souhaite nous poursuivre rêve, nous. Peu importe ça vous voulez, peu importe ça vous voulez faire, ou qu'à faire immédiatement, que vous déterminez pour faire. Alors, je souhaite nous bon courage et puis toujours qu'un bel sourire. Et puis, bon, moi là, chaque fois que je viens, et puis on leur dit que je vais intégrer l'institution. Effectivement, moi, j'ai avec l'administratrice, là, Mme Bernard, qui t'a accueilli avec bras ouverts, et puis, qu'on y a, moi, fait partie de la famille Lingens, qui a aidé les gens dans la société. Ça, moi, j'ai comme message, c'est que moi, j'ai aimé dire à tout le monde qui est handicapé que la vie n'est pas finie. Et l'heure où elle fait noir, c'est l'heure où elle prend le plus bon. Moi, je pas dit que ma vie, je suis heureux, mais quand même, côté un monde qui est handicapé à plaigner, moi-même, je ne pas plaigner. Je ne pas plaigner pour qui ça? Parce que moi, continue à vivre malgré le handicap. Moi. Et moi, pas quitter personne. Personne jouer dans le mental. Moi, tout. Parce que il y a des gens qui gagnent l'homme handicapé. L'homme, on le garde avec pitié. Qui compte pas mon handicapé au problème. Des fois, il y a des gens qui rient. Mais l'homme, on rit au monde qui est handicapé. Il n'y a pas de bon problème. Parce que les gens qui rient, ils sont plus handicapés que eux-mêmes. Au nom de l'archevêché, nous sommes là pour inaugurer un service. Votre présence et participation à cet événement traduit votre désir et votre volonté d'accompagner le CHUSFS dans sa mission de fournir des soins de meilleure qualité à tous et toutes, plus particulièrement aux plus vulnérables. Aujourd'hui, nous pensons aux différentes victimes du sida à travers le monde. Ils sont légion, ceux qui ont quitté la vie, et d'autres qui vivent avec le virus et qui ont besoin de notre support et de notre amour. Nous sommes là non seulement pour penser à ceux qui sont partis, à ceux qui vivent avec le virus, mais aussi et surtout pour nos frères et sœurs à mobilité réduite, communément appelés handicapés, personnes handicapées.
Vous savez que l'accès à ces services pour des millions de gens, tant en Haïti que dans le monde entier, même dans les pays dits développés, est très limité. Alors, nous nous félicitons au CHUFSFS de pouvoir prendre la décision de faire un autre pas dans la bonne direction, d'inaugurer un tel service. En organisant cet événement, nous attirons votre attention sur l'importance que nous accordons et que nous devons accorder à cette catégorie de gens que nous appelons personnes handicapées, mais que nous préférons appeler personnes à mobilité réduite. Vous avez certainement reçu d'autres invitations, mais vous avez choisi de nous honorer par votre présence en venant ici, et nous vous en sommes très reconnaissants. Aujourd'hui est pour nous un grand jour parce que nous luttons pour que le pays soit doté de plusieurs services de physiothérapie. Et aujourd'hui, nous célébrons aussi l'ouverture du service de physiothérapie à l'hôpital Saint-François de Sales. Je vous dis bonjour à tout le monde encore, spécialement au staff de l'hôpital. Monseigneur Harris, qui a vite compris l'importance de notre projet et qui a adhéré à notre projet. La Société haïtienne de physiothérapie est une association qui travaille pour mission de promouvoir et de garantir l'exercice de la profession de physiothérapie en Haïti dans les meilleures conditions possibles, en respectant les normes nationales et internationales. Nous travaillons pour que le pays soit doté dans toutes les structures hospitalières de services de physiothérapie. Dans cet objectif, nous avons un partenariat avec l'hôpital Saint-François de Sales pour donner un appui technique à l'ouverture d'une salle de physiothérapie. Nous avons commencé à travailler depuis le mois d'avril sur ce service et aujourd'hui, nous avons avec nous une physiothérapeute qui est Mme Bellerie Mathieu et le service est ouvert et commence à recevoir des patients. Le mode d'alimentation que nous avons dans le pays explique que nous avons beaucoup d'accidents cardiovasculaires. Nous avons aussi beaucoup de personnes qui, soit à cause de la diabète, soit à cause d'une hypertension artérielle, soit encore à cause d'autres choses, sont devenues des personnes à grand risque et souvent des personnes qui sont tombées dans des situations proches de la catastrophe. Ces personnes ont besoin d'être, je dis le mot, réparer. La physiothérapie est là pour essayer de réparer jusqu'à 100% les dommages qui ont été causés au sein de cette personne-là. Et nous, nous voulons apporter notre propre contribution à cette réparation intégrale de la personne au plan physique pour permettre à la personne de retourner à sa propre dignité et donc de devenir une personne avec toutes ses capacités. Ainsi, notre centre hospitalo-universitaire Saint-François de Sales a compris qu'il faut accompagner ce processus pour permettre à la population d'être toujours et davantage en bonne santé. Car une population en bonne santé est le signe que cette population est en train d'aller dans la bonne direction et que cette santé physique de la population peut parler de sa santé morale et de sa santé économique. Effectivement, un pays où vous avez beaucoup de personnes à mobilité réduite ou encore des personnes avec des handicaps, eh bien, il faut bien savoir que ces gens-là ne sont pas toujours aptes à bien travailler et donc à produire. Et donc, la production qui manque fait que le pays, lui-même, au plan financier et économique, ne pourra pas donner le meilleur de lui-même. Et donc, l'ouverture de ce service ce matin, c'est une contribution financière et économique à l'avenir d'Haïti. C'est quelque chose dans le PIB qui est apporté avec cette inauguration. La décision République dominicaine empêcher femmes enceintes haïtiennes de traverser
à la coucher là-bas. Nous te font très belle mission accompagné et de yon moun nan ambassade nous là-bas, c'est un docteur de profession et nous te wè UNFPA, nous te wè OPS, OMS, nous te wè ensemble directeur généraux et ministère santé publique parce que ministre sans pat là à l'étranger et puis nous te fait des entrevues avec des députés dans commission et santé. Ça a été vraiment bien. Parce que normalement, nous jouons réponse, c'est que ce n'est pas une décision de bon côté ministère de la Santé publique là-bas. C'était plutôt le ministère de la Défense qui prend la décision. Et je pense que sous même longueur de navette, nous avons fait une binationale pour nous dégager nous entendre. Sauf que les fonds qui sont disponibles pour deux bonnes frontières dans la zone nord-est avec Darabon, nous allons obliger à entrer à le jouer avec Dr. Carissa Etienne, qui est représentant numéro 1 OPS. Dans toute Amérique là, nous allons rencontrer pour nous aider à joindre l'autre fond pour l'autre commune. Nous avons tout profité pour un gros coup de chapeau pour OPS, OMS, ni ça ici, ni ça l'autre bois. Bon, ici, c'est Louis Koldina. Nous avons un gros coup de chapeau tout pour Marielle Sander, qui est UNFPA, qui coopère, qui participe avec nous. Et je vous dis à des institutions, ça est prêt pour avancer sur ensemble de démarches que nous avons fait sous frontière là. Très prochainement, nous avons une grande rencontre entre OPS, OMS, UNICEF, UNFPA, ministère de la Santé publique, avec la commission santé présidentielle là, pour nous garder est-ce qu'on peut résoudre des bagailles aussi rapides. Nous profitons un coup de chapeau pour deux personnes dans le ministère de la Santé publique. C'est Dr. Patrick Alfred qui était à la République dominicaine. Nous jouons des marchés qui commencent à faire. Nous jouons et l'autre docteur, c'est Dr. Grandpierre. Et c'est vrai, il y a manqué backup politique, mais il faut un travail technique. Nous restons nous-mêmes pour nous continuer avec le travail politique là, pour nous prendre une décision très rapidement sur le problème de femmes enceintes qui ont bon, ici, qui ont traversé sous frontière là. Nous sommes avec quatre directeurs généraux qui ont dit ministre et ils ont communiqué le mieux de position ministre. Position ministre, c'est amélioré. Sauf que, il y a des chiffres avancés ben qui sont très lamentables pour nous. Par exemple, yo trouvé taux mortalité maternelle la Kayoa, nous-mêmes nous responsables de 15 à 40%. Et puis, et surtout, c'est de jeunes adolescentes nous gagnons qui mourent l'autre bois et dans l'accouchement, parce que pas jamais fait consultation prénatale. Et sous frontière tout, à 90%, c'est femmes enceintes haïtiennes qui accouché dans l'hôpital. Nous comprenons qu'il y a besoin de gérer les fonds, il y a besoin pour nous supporter pour qu'il y ait un fonds binational. Mais nous allons entrer en Washington, nous allons regarder si nous avons une fois passé. Nous avons de très bonnes relations avec Dr. Carissa Etienne, qui te voit un gros mot. Félicitations pour moi comme président de la commission. Et je pense que nous allons jouer sur ça pour nous regarder est-ce que nous avons pour l'autre ville frontalière qui n'est pas nord-est. Le parking est aussi dur. Par exemple, si nous avons une urgence et une césarienne, au moins quitter ça, mais pas quitter les gens à faire des accouchements et physiologiques. Mais nous avons une recommandation, c'est à intégrer des médecins qui forment en République dominicaine pour occuper les frontières, pour qu'ils aient une meilleure relation, si ils ont une urgence pour qu'ils traversent avec elle. Parce que normalement, on prend exemple, et Tiot en Sapit, temps pour arriver Jacmel, Alphonse Césarienne, alors qu'à 15 minutes, ils ont traversé Pédénal ou Alphel. Et bien là, nous pensons que nous sommes très bonne pente, et nous pensons que c'est une belle mission. Et au même temps là-bas, ils étaient très compréhensifs. Sauf que l'un fin rencontré avec la commission présidentielle là, faut au moins le plus haut niveau gouvernement, faut que tu aies une entente qui fait avec et République dominicaine. Assemblée paritaire ACP Union européenne qui va le faire dans le pays d'Haïti du 13 au 20 décembre prochain. Déjà nous 1er décembre, ça veut dire que nous en course contre la montre là pour avancer vers grand événement ça va le faire là. Déjà nous avons plusieurs délégations qui étant confirmées présence en Haïti, particulièrement plus de 30 parlements africains qui ont confirmé présence. Et délégation qui a sorti dans le pays européen a avancé progressivement. Et pour tout est présent en Haïti, téléphone n'a pas arrêté à sonner. Parce que là, franchement, nous connaissons que Haïti, c'est telle liberté, c'est moment liberté. Donc, c'est une occasion. Pour tous les Africains, l'autre pays qui a bataillé pour rejoindre la liberté, c'est l'occasion pour venir en Haïti. Parce qu'on connaît que pour les gens déplacer, sortir juste en Afrique pour arriver en Haïti, c'est vraiment un voyage que obligé de faire, que préparé pour faire. Mais ACP a son occasion pour permettre que
politiquement et économiquement en pile dans frère nous yo africain yo vini en Haïti vin wè terre des salines qui s'allié terre tout Saint-Louverture qui s'allié pour venir en Haïti participer dans grande assemblée ça et qui pourra le faire j'aime dit noir du 13 au 20 décembre dans mois ça même il y a un pile brasse d'idées qui pourra le faire parce que le n'a fait assemblée ça que me participer déjà en pile fois en pile côté mais déjà aller Bruxelles dans assemblée paritaire là nous fait Bruxelles nous fait Widok en Namibie nous fait Nairobi au Kenya et plusieurs autres côtés encore d'aller à Malte nous travaillons pour nous si n'a porter bannier pays à bien haut ce qui fait que journée aujourd'hui c'est temps Caraïbes là et décembre 2017 là c'était pour un pays Caraïbes qui était pour recevoir ACPA nous était proposé candidature Haïti ce qui a été accepté pratiquement à l'unanimité que tout le monde est content pour venir en Haïti, venir brasser l'idée ensemble avec nous, que ce soit sous question problème réchauffement climatique yo, et sous question la question du genre et à grand forum des femmes côté député nous a pas l'honneur que ce soit député Gerda, député Gladys, député Rival, tout a pas l'honneur et sénateur Luma Dieu donne lui-même à l'honneur tout dans forum femme nan et ceci élargit à plusieurs femmes de qualité et d'importance dans le pays à première dame nan t'as supposé là tout beaucoup connaissent la confirmé pour assemblée à et de notre côté sur l'aspect politique nous supposé recevoir président de la république là non et question aspect politique et question 1, président sénat à plat président chambre député à plat donc son assemblée de parlementaires côté et gens nous même nous te connent parti à le représenter Haïti toute notre délégation y a présent en Haïti pour nous discuter de tout problème qui gagne problème parti politique par exemple dans dernière session nous te discuté de question financement parti politique qui ont question d'actualité journée aujourd'hui en Haïti il y a question problématique et mandat président yo moi te crois que dans problématique ça yo pral chita sur question Robert Mugabe qui fait laisser et pouvoir au Zimbabwe parce que dans dernière session que nous te participé à et nous t'a regardé pour nous comment éviter que certains présidents, particulièrement des présidents africains, changent la constitution parce qu'ils ont besoin d'un deuxième, un troisième, un quatrième mandat. Nous avons chita sur problématique ça. Et surtout, n'a pas discuté de questions réchauffement climatique là. Et suivant dernier réunion que tu as bonne et sur réchauffement climatique là, qui était lancé, ça aurait le COP23, dans un accord que chaque pays a bâti tête yo en principe pour chita pour ouais à quel niveau nous y est. Pour éviter que production de gaz à effet de serre pour à travers la planète cap mette planète là en danger pour éviter que ça continue. Moi j'étais quoi que c'est un gros assemblée la pied, une assemblée d'importance qui a bien des retombées politiques pour Haïti et aussi des retombées économiques parce qu'on parle gain pratiquement plus de près de 78 79 pays ACP cap en Haïti et avec beaucoup de délégations ou gain toutes 27 pays Union européenne yo kap la par contre si à cause de question Brexit là si Angleterre a plat mais de toute façon 27 états européens yo à présent dans assemblée ça moi rete quoi que pour un début de siècle avoir un tel événement en Haïti et c'est l'événement du siècle là très très profitable que ce soit politiquement ou économiquement pour pays d'Haïti toujours une déclaration dans tous les sommets que qui fait entre les parlementaires. Par exemple, la semaine dernière, nous étions à Medellin, en Colombie, côté Parlamérica, c'était invité, nous font une déclaration qui signait. Et semaine ça, nous étions à Milan avec l'Action mondiale des parlementaires, une déclaration qui signait. Donc, à chaque fin de session, et toujours une déclaration qui signait. Et ça fait nous-mêmes, en tant que membre de la Commission Affaires étrangères qui a promouvoir la diplomatie parlementaire là, en Haïti, nous fait en sorte que nous menons gros forum ça a mené en Haïti, parce que le pays a mérité ce qu'il y a de mieux. Et décembre, c'est ACP qui mené. Et très prochainement, au cours de l'année, qui sait si nous ne pouvons pas mener l'année prochaine par l'Amérique Zvini ou bien PGA, nous pouvons mener. Donc, tout côté nous passer, nous essayons ouais, que si nous avons une image Haïti positivement. Nous connaissons que pendant tout siècle dernier, le pays a été vraiment descendu à l'échelle internationale. Mais aujourd'hui, en tant que parlementaire, nous pensons que c'est le moment qui arrive, c'est le moment pas Haïti,
pour nous essayer de mettre Haïti sur la carte mondiale dans tout gros événement qui a passé à travers le monde. Forum national nous parle sur la pêche avec activité festival culturel marin. Nous ça va le faire nous 11e édition nous pour le faire dans commune Bellance. Yon forum sur la pêche ak yon festival maritime c'est konsòl dil et ki sa ça vle di et ki sa pral gagne le festival ça. En gros on a parlé de festival culturel marin son activité nous organiser pour pêcher marchand ça va le faire nous 11 ans nous faire activité ça. Activité ça objectif li c'est parler de gros ressources à nous gagnant qui c'est la mer qui par jambe exploité et puis chaque année nous gagnons des milliers de tonnes de poissons nap kembe grâce à une nouvelle technique pêche qui est le DCP poisson ça relève kembe yo c'est gaspillé côté nous même nous t'a faire en pile cob à travers secteur ça mais nous manquer encadrement pour nous t'a capable stocker quantité de poissons n'a perdu chaque année sorti de juillet pour arriver décembre. Si vous avez belle lance pour ta ouais et pêcheur qui met des milliers de tonnes de poissons c'est cap en le bal vendre poisson ça on gagne les nous qui met poisson ça en pile dominicain les nal vendre la caillou ban petit crascope pour poisson yo te qu'on acheter 50 gourdes dans nous les 10 yachts ta qui met quantité de poisson ça pour monter cap en le bal vendre ni yo paye nous à 25 gourdes ça veut dire nous ouais pour moi ne si nous avons matériel adéquat ça pour nous avons gros bateau de pêche pour nous être capable de stocker poisson ça pour nous avoir une chambre froide et puis pour nous faire formation pour marchand pour pêcher tout sur nouvelle technique pêche DCP pour nous mettre en pile DCP nous même dans secteur ça nous tap ca allons souffre parce que nous tap ca faire l'argent avec tout le monde nous pas pas dans manifestation nous même nous pas gain temps pour aller dans manifestation nous pas gain temps tout pour nous série de bagarre parce que secteur la pêche là son secteur qui grand pile qui ca faire nous faire l'argent avec tout le monde a fait comme. En termes de menu, qui ça va gagner dans 11e et festival ça? Festival ça nous organiser dans jour 1. C'est lancement on a fait à partir de 8 décembre 2017, on a fait lancement festival culturel marin côté tout représentant qui concerne yo là. Tant qu'on a bien ministère de l'agriculture, on a bien Semana, on a bien Food for Depot cap ensemble avec nous dans cadre d'activité ça et activité ça yo nous fait compétition en mer tout compétition en mer là ça il y a plusieurs volets là-dedans nous fait course yacht à moteur nous fait course coralin à avion nous gain marchand poisson tout nous fait course de résistance pour yo et puis marchand tout nous fait course de natation pour yo et censé activité ça censé faire marchand avec pêcheur poisson joindre des primes dans cadre d'activité ça c'est ça que fait activité ça nous fait et puis nous voulons faire président entendre voix nous tout dans cadre caravane n'a parlé pour le faire caravane sur l'empêche tantôt parce que caravane n'a pas aidé nous laisse ça nous t'a pas gain possibilité pour nous gain gros bateau pour nous gain moyen de conservation laisse ça n'a pas capable faire en pile l'argent tant qu'on te dit d'aller pour nous aider petite nous avec madame nous dans cadre d'activité ça. On se parler de lancement qu'a gagné pour fête 8 décembre qu'a venir là et qui le et festival là lui-même là est déroulé. On a fait lancement le 8 décembre, compétition en mer on a fait le 10 décembre. Activité ça yo sont activités censées qui raler en pile monde vienne balance et ça fait n'a demandé donateurs qui dans secteur yo pour venir participer ensemble avec nous. Pour aider nous, pour renforcer nous dans le cadre de promotion qu'on a fait pour le secteur ça, pour voir si le secteur a la vie mieux demain. Le festival ça a lui-même duré combien de jours et qui ça ou même en tant que membre organisateur souhaité après le festival là? Après le festival, après les festivités culturellement, nous souhaitons que les donateurs qui ont investi dans le secteur de la pêche là, pour être capables de chiter ensemble avec nous. Nous même nan problème nan confronté dans cette terre pour même pour ta et prendre doléance nous pour nous ta cap changer situation pêcheur et dans cadre activité parler de forum national sur la pêche là les mêmes c'est pas balance la pêche les mêmes c'est au caï que nous pral faire forum nan son forum national côté tout pêcheur pral gain possibilité pour yo bay point de vue sur comment filière pêche là il y a pas avancé parce que jodi a la gens
et vice-président a parlé, la pêche là son métier tant que tout métier qu'il y a. La pêche là, il baille 2% dans la production nationale là. Ça veut dire jodi là, si nous sortis à 16 000 tonnes de poissons annuellement qui baille 19 millions de dollars par année et dans le pays d'Haïti, mais nous même si filière ça li rapporté tout ça le rapporté là yo, ça veut dire jodi là nous même conditions pêche yo nous doit améliorer. C'est pas seulement un petit groupe monde qui doit jouir des privilèges là, mais 52 000 familles qui dans zone bol en mer sous 1700 km de côte qui gagnent a dit doit jouir des privilèges ça. Et nous devons sortir dans sacré les maras et économique là pour nous passer dans une économie de développement, dans améliorer pêche artisanale qui n'a pas aujourd'hui là nous t'aimer pour nous faire une pêche artisanale, mais c'est une pêche qui moderne par rapport avec pêche acaïque qui n'a pas aujourd'hui là. Et si la pêche là c'est un métier tant que tout métier, c'est même genre on est tant que agronome ou ingénieur, c'est ou son un médecin ou tout bazar, mais nous même tout secteur ça il doit valoriser pour nous capables de gagner, ça gagne l'école des pêches et là dans l'école des pêches là côté tout pêcheur capable de gagner possibilité pour y aller pour formation pour y capable de gagner un certificat un diplôme non mais pour y capable de connaître réglementation la pêche là question de pollution de l'environnement et tout ça yo qui gagne en dans filière là forum là il y a été réalisé déjà mais par rapport que nous gagne ministère de l'agriculture et l'autre donateur qui a soutenir dans forum là il a dû réaliser le 15 décembre c'est le 15 décembre nous t'a dû réaliser forum là parce que année ça il va le faire association nationale des pêcheurs haïtiens c'est 17 ans là bien parce que son association qui ex président Préval c'est l'idée de nous créer à Lully le 10 décembre 2000 et mais président Préval de regretter mémoire les parti mais jodi à là. Et nous avons excellence président Jovenel Moïse, les mêmes qui appellent une caravane dans tout l'autre secteur, mais nous-mêmes, nous t'arrêtons maintenant filière pêche là, dans le secteur ça, pour caravane là, pour le toucher nous directement. Et c'est avec nous, avec l'association nationale, avec pêcheurs, pour caravane en fait. Parce qu'il faut que nous soyons capables de distinguer la question de l'agriculture même par rapport à la pêche là. Parce que nous-mêmes, je dis, nous voulons filière pêche là, nous avons une secrétaire d'État qui occupe le même des questions de la pêche là. Ce n'est pas une direction qui est liée, mais c'est une secrétaire d'État qui pour prendre pêche là en main pour être capable de vivre dans le niveau que nous-mêmes, nous avons aimé le développer.